Sauti lundi pour arriver vendredi, 6h30, 7h à souhait. Télésignal a présenté au journal Créole, signal actualité. Tout ça dit, tout ça fait actualité sans ouété ni mété, dans le journal Créole, signal actualité. Signal actualité, journal là, sous Télésignal. Bon, bonsoir pour nous toutes, bienvenue dans le journal Créole nous pour aujourd'hui. Mais différents points qui ont dominé l'actualité. Le gouvernement a lancé officiellement une politique pharmaceutique nationale, politique sa mission pour mettre l'ordre dans le secteur médicaments, renforcer logistique produit et puis faire promotion pour profession pharmacien dans le pays. Qui place respect pour dignité droit monde dans mitan action la police là, inspection générale PNH là, t'a débattre sur question ça dans cadre bilan travail li sur comportement policier yo. Pour moi ça, 5 policiers en isolement parmi eux 3 agents Udmo qui t'a déchirpillé plusieurs passagers dans une machine dans zone rivière salée. Président pays Chine Taiwan nan ap nan pays d'Haïti 14 à 15 juillet k'ap vini là. Pendant visite ça, Ma Ying-jeou a assisté à l'inauguration nouveau local la Cour cassation en pays li financé. Plusieurs pays tant que États-Unis, Canada et Mexique ont confirmé présence pour festival culturel Caraïbes blanc Carifesta qui a fait dans la Cour pays d'Haïti sorti 21 pour arriver 30 août 2015 en baptême Racine nous, Kilti nous, Avenir nous bien ensemble. N'a tourné après pause là pour développement journal là, restez branché. Le samedi, à 8h du soir, la rédaction de Télésignal vous livre un résumé complet de l'actualité de la semaine en 56 minutes. L'info autrement, c'est dans 56 minutes synthèse sur Télésignal. Samedi, 8h du soir et reprise dimanche à 10h du matin. Nous tournons à propos pour le développement journal. Merci d'être été branché. Ministère de Santé publique et population a lancé officiellement jeudi mardi politique pharmaceutique nationale dans le cadre de renforcement secteur médicaments dans le pays. La cérémonie a été faite en présence du Premier ministre Evans Paul. Politique ça qui pourra l'appliquer en bas l'obédience à une direction pharmacie qui est dans le ministère de Santé. Il a pour mission de mettre l'ordre dans le secteur, renforcer la logistique produit et puis faire promotion pour la profession pharmacien. Le ministre de la Santé publique, dans le discours, il fait pour circonstances là déclaré le secteur a fait face à une pile de difficultés qui représentent une grosse menace pour lui. Plus loin, Florence Duperval Guillaume fait qu'on est à côté travail qui a fait pour lancer politique pharmaceutique nationale. MSPP dans la tête collée avec le ministère des Finances a fermé porte environ 70 pharmacies qui étaient illégales. Docteur Florence Duperval Guillaume, t'es dans le micro, Ludmilla Marc avec Maxo Joseph. L'accès aux médicaments se présente comme un problème à résoudre dans le quotidien de notre vie en société, que ce soit en termes de disponibilité, d'équité, de barrières financières et même d'éthique. Cette complexité nécessite donc un programme d'action gouvernementale intersectoriel en synergie avec tous les acteurs, aussi bien publics que privés, nationaux qu'internationaux. Une politique pharmaceutique nationale s'impose et elle s'appuie à dessein sur la politique nationale de santé en référence à son axe spécifique 3.1.5.4. Le ministère de la Santé publique veillera à travers cette politique à ce qu'aucun Haïtien, en particulier parmi les groupes de population les plus vulnérables, ne manque de médicaments essentiels pour prévenir et traiter ces problèmes de santé. La politique pharmaceutique nationale guidera notre veille à l'usage rationnel des médicaments pour une utilisation judicieuse, sécuritaire et efficace. Premier ministre paysan Evans Paul qui lance officiellement politique pharmaceutique nationale jeudi mardi en fait qu'on est. Initiative là gagne une valeur historique qui gagne un objectif démocratique qui c'est article 19 constitution. D'après Evans Paul, programme ça gagne ambition mettre moyen pour une collaboration serrée en tous différents ministères avec l'autre entité dans le gouvernement pour rendre politique là efficace. D'après M. Paul, il a annoncé tout politique pharmaceutique nationale pour aborder la question de production de médicaments qui fait à plante dans le pays.
Evans Paul, toujours dans le micro, Ludmilla Marc avec Maxo Joseph. La politique pharmaceutique nationale que j'ai l'honneur de lancer de manière officielle aujourd'hui est un programme qui met en place des mécanismes efficaces pour une collaboration étroite entre les ministères et les différentes entités gouvernementales. À cet égard, l'État haïtien, à travers le gouvernement de consensus, approuve le document cadre de référence conçu par le ministère de la Santé publique et de la Population, intitulé « Politique pharmaceutique nationale ». Ce document est le résultat d'un processus long, participatif, avec l'implication de tous les secteurs nationaux. Il présente, entre autres, les grandes orientations du développement du secteur de la santé et le développement de la médecine traditionnelle et de la pharmacopée. Le document aborde aussi les questions aussi importantes comme la réglementation, l'encadrement à la production nationale des médicaments traditionnels à base de plantes et leur utilisation dans l'offre de soins. Dans le cas d'application politique pharmaceutique nationale, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, dans tête collée avec l'autre partenaire, a travaillé sous loi avec quelques propositions dans l'idée pour faciliter le travail, pour faciliter les moyens pour toute population de joindre les médicaments. C'est ça, représentant OMS dans le pays d'Haïti, Jean-Luc Poncelet, expliqué dans le micro Ludmilla Marc avec Maxo Joseph. Il y a également une proposition de texte pour la création de l'Ordre national des pharmaciens, dont l'opérationnalisation est en cours d'adoption, mais qui a besoin également de l'appui législatif. Il y a une préparation pour une proposition de loi organique portant à la création du SNADI, ce système national d'approvisionnement et de distribution en intrants, et son statut juridique est également au Parlement. Nous avons également ensemble rédigé une proposition de la loi organique pour la revue de l'organigramme et la mission de la DPM, si bien libérée par le docteur Joser que nous avons entendu juste avant. Aujourd'hui donc est un moment pour célébrer. C'est un moment pour célébrer les grandes avancées dans le thème et nous voulons féliciter nouvellement non seulement le ministère, mais les autres ministères, non seulement le ministère de la Santé, mais les autres ministères ainsi que les premiers ministres qui ont permis que ceci se passe. Nous remercions également les 17 partenaires qui sans relâche continuent à approvisionner en médicaments le pays. Ces nombreux partenaires sont bien sûr un appui énorme pour le pays, mais peuvent également être source de difficultés quand il n'y a pas un alignement parfait avec la politique nationale. Ce système unique d'approvisionnement en médicaments et de distribution en intrants, ainsi que son plan de transition, a été souscrit par ces 17 partenaires. Nous voulons féliciter cet accord qui a été pris et les encourager à ce que ceci se matérialise. L'autre information, notre objectif pour mettre en place marché et économie unique Caraïbes-là, CSME, un atelier sur la circulation capitale dans le pays d'Haïti, est organisé Journée Madia dans Pétionville. Une initiative CARICOM et Patnelio Paboïcite, un centre de facilitation pour investissement avec l'Union européenne, qui vise à l'autorité haïtienne, un outil qui permet de renforcer et ajuster le cadre légal du pays d'Haïti dans sa gain pour investissement dans la comparaison avec la région. On suit l'explication responsable programme qui a appuyé CSME pour CARICOM. Alrich Nicolas dans le micro, Micheli Alexis et Ephésien Mathieu. Ça s'est présenté une étude sur libre circulation des capitaux qui était commanditée en 2012 par le bureau CARICOM en Haïti, mais qui n'a pas jamais restitué, qui n'a pas jamais validé. Donc, je dis à nous inviter le cabinet qui a fait l'étude là, venir présenter les résultats. Et puis, nous profiter, actualiser. Et débat sur question, puisque ça fait 3 ans que l'étude a été faite. Et puis, l'inviter plusieurs autres intervenants qui viennent parler de, par exemple, de signature électronique et échanges commerciaux, par exemple, d'importance à la libre circulation des capitaux pour attirer investissement en Haïti, pour parler de degré de conformité loi haïtienne avec le traité de Chagoua-Hamas révisé avec Haïti signé et qui est ratifié, donc il est entré dans les législations haïtiennes. Donc, c'est ça que l'atelier, c'est objectif. L'objectif, c'est justement informer
sous une série d'engagements que nous prenons dans quatre traités que nous ratifions. Traité de Chagouamas révisé que nous ratifions. Présenter les résultats de l'étude là, discuter avec une série de partenaires. L'un fait présentation ça, on parle d'atelier, et puis nous parlons discuter dans l'atelier, et puis résultat atelier. Hein. Nous pourrons mettre le document de synthèse. Et le document de synthèse, ça, on a pas l'autorité haïtienne pour poursuivre mes travaux techniques. Nous étions là à partir de l'atelier ça et l'élaboration de synthèse. En libre circulation de capitaux, ça veut dire que si le monde voulait investir comme en Haïti, que pour ne pas avoir de restrictions, pour ne pas mettre pour loi haïtienne, il n'y a pas de restrictions pour le faire. En même temps, si un haïtien voulait investir dans la région Caraïbe, et que l'on a investi par exemple à Trinidad pour ne pas avoir de restrictions, en tout cas dans la région, pour ne pas avoir de restrictions dans le transfert capitaux. Sous Bopal, l'Union européenne espère un cadre légal haïtien qui répond à la norme d'investissement région Caraïbe. D'après chargé programme UE1, le projet libre circulation capital pour faciliter l'intégration Haïti sur le marché investissement dans la région. Le programme ça, qui est en 2012, doit durer 5 années et puis l'a coûté 1 930 000 euros. Précision Spencer lui qui est représentant UE dans le cadre d'activité ça dans le micro Michel Alexis avec Ephésien Mathieu. Programme CSME, Caribbean Single Market and Economic Fund, nous dans le contexte d'intégration régionale. Donc, c'est un programme que l'Union européenne finance au niveau de la région. Donc, à travers le financement, ça, Haïti joue une ligne qui permet à ce que nous gardions dans quel sens nous capables d'aider Haïti non seulement reprendre, mais actualiser le cadre légal. Parce que normalement, Haïti fait partie de la CARICOM. Il y a des opportunités que Haïti est capable de jouer, mais malheureusement, nous rendons compte que Haïti Poco n'a un niveau pour être supposé pour bénéficier en quelque sorte de appui ça. Donc à travers le programme ça, j'en ai dit tout à l'heure qui gagne quatre composantes là dedans. Je dis en troisième composante là, il gagne un élément qui est important, c'est la libre circulation des capitaux. Donc au niveau de région, il y a une disposition qui te prend dans le traité de Chagouamas révisé pour quel que soit entrepreneur dans la région, il est capable effectivement d'investir dans un pays état membre. Mais je dis, atelier de travail, c'est garder pour nous le cadre légal que nous gagnons en Haïti, l'OAIO, est-ce que vous appropriez avec sa traité en dit, et dans quelle mesure nous sommes capables soit actualiser ça qui mérite actualiser, et s'il y a des dispositions qui sont capables de prendre pour gagner de nouvelles lois, que de nouvelles lois sont capables de prendre pour faciliter, attirer investissement direct étranger dans le pays. Comme ça, investisseurs ou bien entreprises sont capables non seulement d'investir, mais également de garder dans quelle mesure sont capables de gagner une création d'emplois dans le pays. Pour moi, en 2015, l'inspection générale police nationale d'Haïti traité plusieurs dossiers qui ont rapport à comportement agent dans le PNH. D'après Mark Wilkins, Jean, qui est porte-parole institution, il y a quatre policiers qui sont placés en isolement pour agression à examen avec un lot qui est amélé dans un assassinat. Parmi quatre policiers, il y a trois agents UDMO qui doivent être trempés dans des déchets plusieurs personnes qui étaient dans une machine dans une zone rivière salée dans le département non-pays. Dans le cas d'enquête, la police a joué 20 000 dollars américains. Cependant, porte-parole n'a pas en mesure pour dire combien de cobs exactement agent UDMO ça a été volé dans le moment action. Il y a 90 dossiers enquête qui l'ouvrit tout pendant le mois de juin. Parmi eux, dossier enquête sous la mort Rivelson Saint-Georges, jeune rappeur acte danser. Un agent a peine tatoué sous une plage dans une zone grissée. Pour qu'on la police la gué coucou rouge derrière policier ça qui dans Mahon, d'après commissaire divisionnaire Mark Wilkins Jean, qui était dans le micro, Joniste Saint-Ilus avec Jasmine Denis. Il y a quatre saisines d'office qui fait pendant moi. Donc, première saisine, il concerne une agression armée qui fait dans la rivière Salée, dans la zone Cap-Haïtien, et qui mettait en cause trois agents de l'UDMO du Nord. Donc actuellement, dans le cadre d'enquête, ça, trois policiers UDMO sont en isolement. Et dans le cadre d'enquête, ça, tout, côté que, en fait, malgré pas de plainte formelle qui déposait contre les policiers, ça, donc il a appris que les policiers ont agressé des gens qui étaient dans la machine et ont emporté une certaine quantité d'argent que nous-mêmes ne connaissons pas. Mais dans le cadre d'enquête, nous avons récupéré 20 500 $ américains que nous déposions sur le compte de l'État haïtien. Donc le dossier sera transféré sous peu à la DCPJ, lui-même qui a approfondi l'autre aspect du dossier, ça, qui est un aspect criminel. Deuxième dossier que nous saisissons d'office pour moi, c'est un dossier qui mettait en cause mon agent de la DAP qui a tué vraisemblablement le nommé Rivelson Saint-Georges agressé. Ce policier a été recherché par la police parce qu'il prend la fuite depuis les fait de commettre l'accident. Troisième saisine d'office pour moi, donc c'est un homicide qui impliquait un policier des gardes-côtes
qui t'a participé à l'assassinat d'un policier de la circulation, répondant au nom de Dickens Emmanuel. Actuellement, ce policier-là est en isolement et le dossier d'enquête suit son cours. Quatrième des saisines d'office, pour moi, ça, c'est un autre cas d'homicide qui mettait en cause un policier qui est affecté à limonade et qui t'a tué par balle, le nommé James, ainsi connu à Terrier Rouge. Ça passait récemment dans le bar Tropicana. Côté policier, ça lui met en discussion avec James, qui t'a tué lui et monsieur t'a pris la fuite. Actuellement, ce policier est en cavale et il est recherché par la PNH. Et l'autre fois, porte-parole IGPNH, l'a rappelé tout agent PNH, obligation, principe, institution en fait, pour bien agir dans l'exercice de fonction. Mark Wilkinson a expliqué que le code déontologie de la police n'est pas d'accord pour un policier maltraiter un citoyen dans le moment de la parité, ou soit faire un fouille la caille, ou bien les citoyens sans interrogatoire. Mark Wilkinson a parlé comme ça jeudi, dans le cadre de conférence bilan IGPNH, toujours bail sous bilan travail fait, qui est pour un comportement policier. Thème qui te kembe pour débat jodi an, c'est nan mitan action la police, respect pour dignité de l'homme. Mark Wilkins Jean dans micro, journaliste Saint-Louis avec Jasmine Denis. Dans quelles circonstances on a gardé la police est capable de porter atteinte à la dignité de l'homme? Dans quelles circonstances? Par exemple, dans jeune la police va accueillir un poste de police, façon à recevoir un façon à parler avec lui, etc., pour capable porter atteinte à la dignité. Dans façon d'exécuter un mandat, donc ça veut dire si l'exécution mandat là, au-delà du simple fait d'exécuter le mandat. Donc, il y a des atteintes physiques, il y a des atteintes psychologiques, il y a des mots ronflants qui lancent à l'honneur de la personne. Il y a des gifles que nous avons recevoir. Donc, c'est une atteinte à sa dignité également. Donc, de façon à escorter un prisonnier ou bien un détenu dans le tribunal ou bien à l'hôpital, donc ça veut dire qu'on jamais traité mon nom et porter atteinte à la dignité. Donc, se mettre en couche, on met pied sous coule, la machine, tout qu'on a regardé. Donc, c'est une atteinte à sa dignité. Donc, la même façon à gérer une manifestation, par exemple, donc ça va arriver que vous portez atteinte à la dignité. Donc, c'est des circonstances côté la police dans l'interaction avec la société, dans l'interaction avec la communauté, donc vous êtes capable de porter atteinte à la dignité. On regarde qui ça normé, qui ça précise pour ce qui est du respect de la dignité humaine. La police, là, l'institut en auxiliaire le pouvoir public. Elle a pour mission pour fournir en toute impartialité des services de haute qualité afin d'assurer la stabilité de l'État, mais ici c'est dans le respect des droits fondamentaux et de la dignité de la personne humaine. Le fonctionnaire de police se comporte envers celui-ci d'une manière exemplaire. Il a le respect absolu des personnes, quelle que soit leur nationalité ou leur origine, leur condition sociale ou leur conviction politique, religieuse ou philosophique. Il faut que nous précisions dans la même conférence, pour parler de la fait qu'on est, il y a environ 1000 policiers qui étaient impliqués pour mission la paix des Nations Unies. C'est seulement environ 230 qui étaient dans le Pousselin, d'après Marc Jean Wilkins Jean. L'autre information, implication membres communautaires dans la question sécurité, c'est le principal facteur qui permet à un pays de porter réponse à la question criminalité et puis Zak Bandiyo la Kaili, d'après expert dans la question police et sécurité Yves Kader. Yon l'autre bord, Yves Kader fait connaître la police nationale là mérite une nouvelle loi organique, comme quoi, loi qui gagne coulé là, qui gagne temps gagne 20 l'année, pas ta répondre à la réalité. Expert en question police et sécurité souligne tout, l'important pour l'État organiser la société pour bien jouer le rôle. Yves Kader est dans le micro, Wesley Antoine et Samis David François. Donc, c'est-à-dire que la communauté est supposée engager pour défendre besoin parce que quand il y a dans la zone, ce n'est pas quand l'État. Et pas qu'il y a la police, c'est qu'il y a lié. Donc c'est eux-mêmes qui pour prendre responsabilité, c'est eux-mêmes qui pour engager. Ben, automatiquement organiser la communauté, hein, river en pral vin prendre conscience dans la communauté, hein, li pral vin développer un esprit d'appartenance. Et esprit d'appartenance, ça, c'est ça qui pral fait que lui-même, les policiers communautaires pour contre lui. Pas de monde Belleville cap quito, vin faire tête Belleville pour dévaluer qu'il y a. Parce que lui développer un esprit d'appartenance et naturel qui fait que lui dispose de ville pour protéger Kailia. Jean pour approcher là, c'est prendre un recul de sagesse, repenser stratégie, ça nous est là de 20 ans, pas de résultat. Okay? Faire un diagnostic situationnel pour déterminer les vrais problèmes de cette population, problématique banditisme, criminalité. Hein? Et à partir de là, repenser la police à partir d'une nouvelle doctrine
Est-ce qu'on a besoin de la police à la réponse alliée? Est-ce qu'on veut la police au service de la communauté? Maintenant, c'est toute une autre approche. Et approche ça, il peut d'utiliser des facteurs autochtones, facteurs non gain souterrains, hein, qui sont beaucoup moins coûteux et beaucoup plus efficaces. Parce que déjà, comment on fait la police à fonctionner en bagage? Ok? Donc, il faut utiliser d'autres approches qui sont beaucoup plus autochtones, c'est-à-dire que approches qui sont sorties dans nous. Comme une Port-au-Prince a fait face à journée jeudi avec un pile de difficultés, tant que caille qui construit une sous l'autre, avec même la population qui est exposée en bas de catastrophe naturelle. Pour corriger la situation, l'autorité de la commune de Chita a parlé jeudi sur le plan aménagement et développement durable région métropolitaine Port-au-Prince. Il y a ensemble réflexion qui visait ramasser une série de propositions pour quitter pour l'administration communale Cap-Vignan dans l'objectif pour changer l'image commune. Sur le sujet, ça, moi invite à suivre réaction Yves Décimé, directeur général mairie Port-au-Prince, et Gino Bonnet, directeur général ministère intérieur, dans le micro, Samis David François. Notre commune a besoin d'un plan communal de développement qui permette de définir les grandes lignes, les grands axes autour desquels se construira son avenir. Il est nécessaire que les pouvoirs publics, notamment les pouvoirs territoriaux, mettent la main à la pâte. Oui, nous devons mettre la main à la pâte. En tant que conseil d'administration de la commune, le conseil municipal de Port-au-Prince se devait d'imprimer sa marque à l'évolution de la commune. Si le passé et le présent se sont imposés en un sens, dans l'anarchie avec les effets pervers que l'on sait tous, il ne sera pas dit que l'avenir ne puisse être mieux planifié. Mais il est tout à fait possible qu'à l'avenir, un plan soit défini et que les nouveaux conseils municipaux n'aient plus à se juxtaposer, mais qu'au contraire, ils puissent s'intégrer dans un tout cohérent. Depuis des décennies, la commune de Port-au-Prince est en proie à une pression démographique constante, conséquence de l'exode rural et d'une croissance démographique incontrôlée. Les migrants en provenance des villes de province viennent à Port-au-Prince à la recherche du travail, mais aussi des services de base les plus élémentaires, eau, électricité, santé, école, université, etc. Leur ville ou village d'origine étant dépourvue de tels services. Ils sont les victimes de la centralisation et donc des conséquences du déficit et parfois de l'absence dans leur localité des structures et infrastructures étatiques appropriées. Cette journée marque un nouveau tournant dans la vie municipale de Port-au-Prince dans le domaine de la planification territoriale, car à travers ces ateliers thématiques, elle offre une réelle perspective d'harmonisation de la vision des autorités municipales et des secteurs de la société civile dans la perspective du développement et du progrès de la commune, selon les exigences de la démocratie participative. Information qui concerne la culture. Plusieurs pays, tant que les États-Unis, Canada et Mexique, ont confirmé présence pour Carifesta. Cap gen pou fèt nan la cour pays d'Haïti sorti 21 pour rive 30 août 2015. Carifesta cap gen pou li déroulé en baptême racine nou, kilti nou, avenu nou gen ensemble. Pral yon gros occasion pour montrer tout ça qui gen positif dans pays an d'après responsable communication Carifesta Emily Prophète. C'est pral yon occasion tout pour faire promotion pour certains sites culturels dans pays an tant kou la cour yo et ses bureaux national ethnologie qui pral gen mission ça d'après directeur artistique adjoint Carifesta Erol Josué. Emily Prophète et Erol Josué ont été venus jeudi mardi dans une conférence débat sur Carifesta dans l'objectif pour recevoir quelques propositions de la presse et étudiants qui étaient présents dans la conférence sur l'organisation Carifesta. On suit la déclaration dans le micro Wesley Antoine et Wendy Henry. Tout pays caraïbéen,
plus fort là-dedans, déjà dit oui, il y a venu dans Carifesta. Et ce n'est pas seulement le pays caribéen, le pays qui fait partie de CARICOM qui a venu dans Carifesta. Et Caraïbes françaises là a venu tout. Et la Martinique et la Guadeloupe, la Guyane française confirmée présence li tout à travers le ministère culture République française. Et il y a de l'autre pays et dans Amérique latine, donc le Mexique qui a venu, il y a Cuba et qui a venu, qui tout près, mais qui pas dans CARICOM. Et pays qui plus loin tant que l'Inde, yo di y'a vini, États-Unis confirmé présence li, Canada confirmé présence li. Donc c'est une belle occasion pour Haïti, Haïti et qui très dégradé dans presse internationale pour différentes raisons et ces jours-ci yo montré et compatriotes nous cap sorti République Dominicaine. Donc yo parlé en pile de Haïti. Mais en même temps, tout pays qui a accepté pour venir, vous connaissez bon bagage qui a passé dans le pays, il faut venir. Et il est important que tout Haïtien qui attend de nous aujourd'hui, qui a pu nous dans la télévision, qui a lu, qui a écrit, connaît que chaque monde dans le pays, c'est un haute la pied, chaque grain de monde, c'est la caille ou pays caraïbe, notre pays ça a frappé, il a dit honneur pour dire respect. Dans Gonaïve, nous allons aller faire excursion dans la cour Vodouyo, son façon. Et nous parlons vaudou et mémoire parce que Gonaïve à cause de la couille, c'est pas que c'est Gonaïve seulement qui est vaudou, mais pour Carifesta, nous disons que c'est un point qui a mené, mettre plus en valeur pour visiter la couille, pour avoir autonomie à la couille, parce que l'homme on allait, pour ethnologie, te font projet ethnotourisme avec le ministère touriste, côté nous créer des salons, des maisons de massage pendant la période carnaval Gonaïve, et bien qui c'est des projets pérennes, et bien c'est le moment pour nous revitaliser. Faut que nous rappelions Carifesta bien pour fête dans 5 villes dans le pays qui c'est Jacmel, Okaï, Okap, Gonaïve et puis Port-au-Prince. Cela nous a mettre un bout de journal pour aujourd'hui avant d'aller mes différents points nous te développer pour vous. Gouvernement a lancé officiellement une politique pharmaceutique nationale, politique ça a une mission pour mettre l'ordre dans le secteur médicaments, renforcer logistique produits et puis faire promotion pour profession pharmacien dans le pays. Qui place respect pour dignité droit monde dans mitan action la police là. Inspection générale PNH là t'a débattre sur question ça dans cadre bilan travail li sur comportement policier yo. Pour moi ça, 5 policiers en isolement parmi yo 3 agents Udmo qui t'a déchirpillé plusieurs passagers dans yon machine dans zone Rivière Salée. Président pays Chine Taiwan nan ap nan pays d'Haïti 14 à 15 juillet k'ap vini là. Pendant la visite ça, Maïng Djéou a assisté à l'inauguration du nouveau local la Cour cassation en pays les financer. Plusieurs pays, tant que les États-Unis, Canada et Mexique, ont confirmé présence pour le festival culturel Caraïbes Blanc Carifesta, qui a fait dans la Cour pays d'Haïti sorti 21 pour arriver 30 août 2015 en baptême. Racine nous, culture nous, avenir nous gagne ensemble. Merci à tout le monde qui t'a suivi. Nous avons rendez-vous demain pour une autre édition nouvelle en créole sur Télé-Sénat. Restez branchés.